обязаны устанавливать товарищи свет на деньги, и обязаны помнить трудящихся, которые... Quel est le rôle de la Première Guerre mondiale dans la Révolution russe de 1917 ? 1914, le tsar Nicolas II annonce une mobilisation générale, mais il n'était pas vraiment équipé pour gagner cette guerre, autant d'un point de vue politique que matériel. 10 millions d'hommes sont enrôlés, mais seulement 7 millions sont acheminés sur le front et 1 million de soldats en première ligne. En cause, la grandeur du pays et la faiblesse de ses infrastructures. Lors de la première bataille, la Russie, mal préparée, perd face à l'Empire allemand plus de 200 000 hommes. À cela s'ajoutent plus de 100 000 prisonniers et de nombreux blessés. 1915, les pertes sont énormes. 1 million de morts, 900 000 prisonniers. 1917, après 3 ans de guerre, on totalise 1,8 million de morts et 5 millions de blessés parmi les militaires. Les pertes civiles sont estimées à 1,5 million. À cela s'ajoute une réclamation du peuple à arrêter la guerre qui paralyse l'économie russe et crée un manque de main-d'œuvre. En conséquence, les soldats ne supportant plus la situation se rallient au peuple. L'idée de grève générale pour trouver une issue à une situation politique anormale fait son chemin. Nous voilà en route vers la révolution de 1917.